Nous sommes dans un bootcamp en train de former le jeune comme formateur et coach en entrepreneuriat. L'objectif de ce bootcamp est que ce jeune qui sont ainsi formés deviennent des experts dans ce domaine. C'est un noyau, comme qui dirait, qui constitue le départ, déjà le début d'un réseau de coachs et de formateurs en entrepreneuriat qui vont à leur tour appliquer l'effet multiplicateur pour aller former d'autres jeunes de la Tchopo et de ses environs. Alors pour moi, cette formation m'apporte beaucoup, déjà parce que j'ai des responsabilités d'encadrement des jeunes en matière d'entrepreneuriat. Avec toutes les notions que je venais d'avoir durant cette formation, je serai donc à même d'apporter aux jeunes l'assistance nécessaire pour les aider à lancer leur projet d'entreprise. Donc moi, je demanderai à Enabel, dans la mesure du possible, de faire en sorte que des milliers, des centaines d'autres jeunes puissent avoir la chance de bénéficier de cette formation que moi et mes collègues de cette première cohorte venons de recevoir. La formation m'a recadré. J'ai été recadrée. Je sais maintenant comment me tenir face à ce que je veux faire. Si je dois créer quelque chose, je sais par où commencer et comment marcher avec. Nous demandons que la formation puisse s'étendre encore davantage à la ville de Kisangani et pourquoi pas en dehors de petits villages de la ville. Ces jeunes sont partis de l'identification des problèmes avec des cas concrets dans leur milieu respectif. Et de ces problèmes, ils ont identifié des besoins. Et des besoins, ils ont vu comment on peut avoir des idées afin de résoudre ou ces problèmes ou les besoins qu'ils rencontrent dans leur milieu respectif. Comment passer à une sélection des idées et comment trouver son idée d'entreprise, donner corps, donner forme à cette idée. Et partant de là, ils ont parcouru tous les méandres qu'il faut jusqu'à produire leur plan financier. C'est vrai que ce genre de formation, c'est toute une démarche et nous ne pouvons pas dire que nous avons été exhaustifs. Il y a eu des recommandations et aussi des techniques que nous leur avons transmises pour qu'ils puissent continuer à grandir personnellement et à faire rayonner leur milieu de vie respectif.